J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo produit terminé puisque j'ai terminé quelques produits récemment et que j'avais envie de vous en parler et de les jeter également par la suite. Donc tout est dans ce sac. Voilà, il y a quelques produits. Donc je vais commencer par ce qui arrive en premier, c'est-à-dire des shampoings secs que vous connaissez à force, il me semble. Donc tout d'abord, il y a le normal et le tropical de Baptiste. J'en ai déjà parlé de celui-ci. Voilà, en ce moment j'aime bien tester les gammes de chez Baptiste. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai déjà testé le blush, donc j'ai testé le normal et le tropical. Et là en ce moment je suis en train de tester le British, que j'aime beaucoup le British, je trouve qu'ils sont super bons, j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, rien à dire, c'est les shampoings secs Baptiste, j'aime beaucoup leurs odeurs. Je trouve qu'ils sont efficaces, en tout cas chez moi. Et voilà, rien à dire vraiment de plus, à part que je les rachèterai sans problème. Ensuite j'ai terminé un masque, et c'est le masque... Facial anti-stress aux minéraux de la mer morte que j'avais acheté il y a un petit moment déjà en Belgique quand j'y suis allée avec Justine. Donc voilà, c'était un petit masque. Je vous avoue que je ne l'ai pas fini en entier parce qu'il avait tourné un petit peu, il tirait un peu la tronche, du coup je l'ai vidé. Mais voilà, en tout cas ce masque, je ne sais pas vraiment si je le rachèterai parce que j'ai pas forcément remarqué grand chose sur mon visage avec ce masque. Mais voilà, il coûtait pas cher, je crois qu'on l'avait acheté, je sais plus où on l'avait acheté, je sais plus du tout. Mais voilà, en tout cas je me souviens qu'il coûtait pas très cher et que voilà, il faisait son taf comme il devait le faire quoi. Ensuite c'est le Master Precise de L'Oréal, mais c'est, enfin je l'ai pas terminé, enfin non c'est pas L'Oréal, c'est Julie Maybelline pardon. Je l'ai pas terminé en fait, c'est juste qu'il a totalement rendu l'âme suite à Halloween. C'est un petit moment qu'il a rendu là mais que je dois le racheter, que je n'ai toujours pas fait. Mais voilà, je vais le racheter, le Master Plus Size, parce que je le trouve vraiment super efficace. Il est très noir et il est très pratique à utiliser pour tracer un liner, etc. Le matin, c'est pas relou. Donc voilà, il faudra que je le rachète. Voilà, surtout ça vient. Et ensuite, j'ai terminé le cils des masques. Alors, je l'ai terminé deux fois en fait, parce que là, en gros, celui que j'ai racheté, il reste plus que ça. Donc je l'ai quasiment terminé aussi. Est-ce que je le rachèterai? Non, pas pour l'instant, parce qu'en fait j'ai racheté mon huile DHC. Voilà, mon huile démaquillante DHC, je l'ai rachetée enfin. Ça doit faire un an que je devais la racheter, je crois. J'avais dû la finir par cette période-là et du coup j'étais passée sur le cils des masques. Il me semble, j'ai peut-être tort, mais voilà. Donc j'ai racheté l'huile DHC, donc j'ai pris la 200 ml. De toute façon, en même temps, ils n'avaient que celle-là, donc c'est vraiment le gros format de l'huile DHC et je suis trop contente, j'ai trop hâte de la réutiliser. Pour l'instant je finis les démaquillants que j'ai. Donc justement, en parlant des démaquillants, donc voici le Dermance que j'utilisais depuis quelques temps, je crois que j'utilise depuis le mois de septembre. Donc en fait c'est une eau hydra micellaire qui est démaquillante, qui hydrate et qui apaise la peau à l'acide hyaluronique, visage et yeux. Donc à la base c'est pour les peaux sèches et moi j'ai, enfin comme vous savez, j'ai pas du tout la peau sèche, donc ça me faisait un peu bizarre au début quand j'ai vu ça, puis finalement en l'utilisant je me suis rendu compte qu'elle était vraiment pas mal. Elle démaquille bien les yeux, elle sent trop bon. Je saurais pas dire quel parfum c'est, mais je trouve qu'elle sent vraiment trop trop bon. Et donc du coup voilà, je l'ai terminée. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que comme je vous ai dit, je suis passée sur, l'huile DHC, enfin je suis repassée sur l'huile DHC. Donc c'est une eau démaquillante quoi, je pense que la Bioderma fait à peu près le même travail, donc... voilà, je préfère repasser sur l'huile, surtout l'hiver en fait, j'aime beaucoup l'huile l'hiver parce que je trouve que du coup ça agresse beaucoup moins ma peau et c'est beaucoup plus riche et nourrissant pour ma peau, donc voilà, l'hiver c'est pas mal. L'été je suis moins huile, faut dire que je me maquille beaucoup moins l'été, mais c'est vrai que l'été j'aime pas trop utiliser l'huile, mais voilà, l'hiver je trouve que j'adore ça, donc bref, je ne sais pas du tout sur ça, mais voilà, l'eau démaquillante de Dermance que j'ai terminé également. Ensuite j'ai terminé un parfum, alors ça fait un an que je le termine en fait ce parfum, parce que... J'essayais d'économiser la moindre goutte. D'ailleurs il est dégueulasse, à force d'être sur le lavabo, le truc il est dégueulasse, en bref. Donc c'est le Dolce & Gabbana The One. Voilà, que j'avais depuis un petit moment maintenant, je crois que c'est le format 30 ml. Voilà, ils sont vraiment trop bons ce parfum. J'adore ces parfums, ils sont vraiment trop trop bons. Je sais pas si je le rachèterai, pour l'instant je suis sur le Eau d'Azur de Lancôme que j'ai eu à Noël. Voilà, j'ai pas l'intérêt... Je vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs parfums, même si je me souviens avant j'avais plein de parfums en même temps, je l'utilisais plein de parfums. Comme ça quand il y avait une odeur qui me plaisait plus un jour ou quoi, je la mettais. Du coup j'avais pas d'odeur vraiment définie à moi en fait, parce qu'au final j'avais toujours 10 parfums en même temps. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bons ce parfum. Bizarrement en le sentant maintenant, je trouve que c'est plus une odeur du soir qu'une odeur de journée, alors qu'avant je le portais tout le temps en journée. Voilà, c'est plus une odeur d'hiver aussi.
C'est une odeur très chaleureuse, voilà, très réconfortante, je sais pas, j'aime beaucoup cette odeur, je rachèterai un jour, je pense. Alors je n'ai pas jeté le flacon parce qu'en ce moment chez Sephora, ils récupèrent les vieux flacons et ils vous donnent 20% sur votre nouveau parfum. Donc voilà, je vais le garder, comme ça quand j'aurai besoin de racheter un parfum, je le donnerai à Sephora, j'aurai moins 20% sur mon parfum, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, c'est le service de recyclage de Sephora qu'ils ont mis en place. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ensuite... Ah oui, alors ma cure. Alors ça, c'est la cure que j'ai faite cet été pour mes cheveux. Donc c'est cheveux et ongles force et vitalité. C'est une capsule par jour et c'est de Nature Active. Donc des laboratoires Pierre Fabre. J'avais acheté ça en pharmacie. Parce que je... Voilà, comme vous le savez, j'étais pas du tout fan de mes cheveux avant. Voilà, je trouvais qu'ils étaient un peu secs, qu'ils n'étaient pas assez fournis. Et puis je voulais vraiment leur donner un bon coup de boost pour qu'ils poussent. Donc voilà, j'ai fait cette cure. Donc il y avait deux boîtes comme celle-ci, donc j'ai fini les deux boîtes, ça a duré 3 mois, donc j'ai terminé genre mi-octobre, je crois, ou un truc comme ça. J'ai fait cette cure, je saurais pas vous dire si j'ai trop... Enfin, je pense qu'il y a eu des effets parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de masse au niveau de mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils ont poussé parce que, mine de rien, en fait, je me rends pas compte, mais je les ai beaucoup coupés en fait depuis cet été. Et donc ça prouve qu'ils ont bien poussé parce qu'ils ont pas trop perdu de longueur. Et voilà, en complément, donc j'ai mes huiles de ricin, etc. Donc je ne saurais pas vous dire si je vous conseille ou pas la cure, parce qu'au final, ça dépend des personnes. J'avais lu beaucoup d'avis dessus avant de, enfin, quand je l'ai acheté, j'avais lu beaucoup d'avis dessus et beaucoup de personnes ont dit qu'elles avaient été satisfaites. Moi, j'ai été satisfaite, enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de masse. Et puis on voit bien à mes racines que mes cheveux ont poussé. Alors, est-ce que c'est grâce à ça après? Est-ce que c'est grâce à tout ce que je fais maintenant? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai commencé une deuxième cure là pour l'hiver, qui est une cure Florence Nature à voir. Et pour finir, j'ai terminé une crème qui est la Florence Nature Émulsion Anti-Imperfection à la Bardane. Pour mixte à grasse, organique, bio, etc. Donc j'ai terminé cette crème. Est-ce que je la rachèterai? Je ne pense pas. J'ai déjà racheté une autre crème en fait. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur ma routine cocooning et... ma routine du soir, parce que ça m'a beaucoup été demandé, donc vous verrez les nouveaux produits que j'ai en vidéo. Mais voilà, donc j'ai terminé cette crème, je pense pas que je la rachèterai. J'ai pas été forcément très satisfaite de l'odeur, elle a une odeur assez spéciale. Et puis je sais pas si j'ai vraiment remarqué d'amélioration au niveau de ma peau. Pour tout ce qui est boutons, etc., j'ai la cure à spot, donc là pour le coup, quand j'ai des boutons, en général je fais une petite cure de cure à spot et là ça clean tous les boutons. Après, sur le long terme, je ne saurais pas vous dire si elle a vraiment été utile ou pas. En tout cas, je ne la rachèterai pas parce que j'ai déjà trouvé autre chose. Donc voilà, pour mes produits terminés, j'ai plus rien. Je vais pouvoir ajouter une bonne partie déjà. S'il y a des produits que j'ai terminés, que vous avez également testés ou que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à m'en parler, savoir votre avis dessus. Parce que peut-être que moi, ils ne m'ont pas convaincu, mais vous, ils vous ont convaincu. Donc voilà, histoire d'englober un peu tous les avis sur ces produits dans les commentaires pour toutes les personnes qui seraient intéressées. Et puis voilà, je vais bientôt filmer une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire parce que ça m'a été beaucoup demandé. Après la vidéo des cadeaux de Noël, vous avez été nombreuses à me demander mes cadeaux d'anniversaire. Alors je les ai pas tous reçus parce que en fait j'ai eu deux cadeaux, enfin trois. Donc j'ai eu des trucs que j'adore, notamment cette montre que vous voyez là, que j'avais mis sur ma wishlist d'anniversaire. Mais j'ai eu un truc de fou aussi que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram, mais bon, voilà. Je garde le suspense sur YouTube si vous n'êtes pas au courant. Et puis je me fais un cadeau à moi-même grâce à l'argent. En fait, ma grand-mère m'a envoyé des sous, donc du coup je me suis fait un cadeau à moi-même d'un truc que je voulais depuis trop longtemps. Donc voilà, petit peu de suspense. Donc dès que j'aurai reçu ça, je pense que je devrais avoir mon dernier cadeau dans la semaine. Non, je l'ai commandé vendredi 22. Voilà, j'ai commandé vendredi 22, donc je devrais le recevoir dans la semaine. Ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai reçu. Mais voilà, je pense que vous devriez le voir la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai trop hâte de recevoir ce cadeau, de vous les montrer, etc. Et puis c'est tout. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.